Yo, on se retrouve pour un nouvel épisode de Eternal Darkness. Donc, si je me souviens bien, on avait la clé du sous-sol. Mais je sais vraiment pas où est-ce qu'il va falloir l'utiliser. Légèrement rouillé, c'est ouais, d'accord. Et je crois que dans les lettres, ils parlent du sous-sol. Les bêtes se rapprochent. J'ai pris une dispute pour empêcher qu'elles mettent la main dans cette nouvelle. Ok, donc ça parle de la clé. Agissez rapidement, d'accord. Le journal médical, non. Lettre numéro 3. Voilà, il y a une ouverture secrète au sous-sol qui permet d'y accéder. Pressez-vous de rassembler des hommes et de sceller l'entrée. Ouais, d'accord. Et le numéro 2, elle dit quoi? A été abandonné par les anciens, je n'ose plus entrer de peur qu'il ne m'arrive quelque chose. Je vous conseille de partir également, porter le livre avec vous. Ok. Ok, on va sortir de là. Comment on... Hop, j'ai enlevé la souris de l'écran. Voilà. Pour courir, c'est ce bouton-là. On va tenter de... Hop, ouvrir la porte. Oula! Là, j'aime pas cette couleur, hein. Oh là 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 là, elle est déjà enchantée mon arme ou pas? On va aller voir ça tout de suite. Moi j'entends un objet, on va juste regarder si c'était sur quelle touche, c'était... allez, ça va. Quoi qu'il était déjà enchanté. Ouais, c'est pas grave. Je vais être maintenant enchanté. Ok, c'est parti. On va essayer de le défoncer, ce fils de pute. Une tête en moins. Là. Putain, je comprends rien. T'es mal avec les couleurs. J'ai vraiment du mal. Voilà. Petit coup par petit coup, on arrive à défoncer le géant. T'as toujours les mêmes mecs qui pleurent. Oh, une rune magique. Oh, une bleue. C'est une bleue. C'est la première fois, non? Ok. J'ai obtenu ou pas la bleue alors? Rune. Ouais, Uliaot, elle s'appelle. En fait, là, on a que des jaunes en bas. Et là, on a. D'accord. Ça, c'est les runes de base, en fait. Pop, pop, pop. Oh, vous m'avez compris. Du coup, merde. Attends, on va ressortir. On va retourner là où il y avait le monstre. Peut-être que. Il n'y a absolument rien. Ok. Ok. Merde. Ah putain. Voilà. Nouveau sort. Voilà, maintenant on a la bleue. D'accord, on va pouvoir créer. On va pouvoir créer. Hop, c'était celui-ci, celui-ci. Enchanté en bleu. Ça, c'est bien ça. Visiter sort enchanté. Assigné en bleu. Enchanté, enchanté. Ici, hein. Voilà. On a trois couleurs. Oh, il y a un. Attends. La peinture à l'huile montrant le hall du manoir est suspendue au mur. Max se demande pourquoi l'artiste a peint avec tant de réalisme une représentation inexacte de cette extrémité de la pièce. D'accord, ok. Ça signifie que avant la porte était bien là en fait. Ok. On va aller là. Je me rappelle, je sais pas où est le sous-sol, on va aller visiter. Là, il n'y a absolument rien, ça c'est l'espèce de petite cuisine. C'est ça. Ah putain, je l'ai pas vu, ah l'enculé. Bon. On va se faire TP. D'accord, ok. Le mec il gêne un peu, tu vois. Bon, on s'en fout, on passe à côté. Voilà. Ni vu ni connu. C'était par là, non? Ok. D'accord. ouais, c'est là, non?
le sous-sol. C'est pas genre un passage secret par là? Non, y'a rien. On dirait une porte, y a pas un levier quelque part? Attendez. Ça ressemble à une gravure reproduite dans de la cire. Ah, c'est pas. Il faudra peut-être révéler l'invisible ici. C'est quoi pour révéler l'invisible? Sors rapide. Il est en bas. Après là, c'est en rouge, mais je sais pas, genre. On a des trucs à révéler en rouge. Non, y a rien. Y a absolument rien. On va repartir de là. Donc en gros, là, on a un tableau des éléments en haut. Comme quoi, on va dire. Je pense que le bleu, il est plus fort que le rouge, qui est plus fort que le vert, qui est plus fort que le bleu. Et l'élément au milieu, le violet, c'est un élément. Je sais pas encore, mais je pense que c'est ça en gros. Les créatures rouges, il va falloir les battre avec la couleur plus forte que la rouge. Mais j'ai déjà oublié. peut-être au milieu. Non. On va remonter alors. Mais normalement le sous-sol c'est en bas, on peut pas accéder au sous-sol du premier étage. Enfin. En toute logique. Ah, ça a changé, non? Ouais. On va passer par là-bas. On va arriver avec les toilettes. Ah, il y a une lettre. Ah, c'est peut-être la première lettre. On va aller tout de suite la lire. Ah voilà, c'est la première lettre. Une lettre écrite à la main avec soin. Cher ami, l'antiquité sur laquelle vous me questionnez est sans aucun doute le livre des ténèbres éternelles, ou tout au moins une copie de ce livre. Les secrets qui renferment ce livre ne sont toujours inaccessibles car, comme la plupart de ceux qui ont essayé, je n'ai toujours pas réussi à déchiffrer ce qui est écrit. Ce livre restera dans la maison car il s'avérait être une arme redoutable s'il venait à tomber entre de mauvaises mains. C'est comme un horcrux en fait. Lisez-le attentivement si cela vous tente, mais méfiez-vous de son pouvoir. Ne vous laissez pas prendre à son piège. Ah merde, c'est qui qui l'a écrit? C'est peut-être intéressant. Anthony, c'est ça? Aaron. Ok. Merde, ça c'est le livre médical. Livre des ténèbres. Ok, on a eu la lettre. Putain, il m'a fait peur. Examiner, détail, non, il y a rien. On va rouvrir la porte. Ok, il y a vraiment rien à faire, genre déclenche ça dès que c'est retourné. Non. Ouais. Le miroir renvoie de manière cruelle le regard chargé d'interrogation. Ouais, d'accord. Le sous-sol. On va refaire cette porte là. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est là où on a Pop, non? Il n'y a vraiment rien dedans. On va aller checker l'autre porte juste à côté. Putain, ah, il m'a fait peur! Oh! Alors, crève. Salaud! Et voilà. C'est pareil, examiner détails. Les cabinets intérieurs, dernier cri. En tech poly, ouais, mémorable, blablabla. Il y a un coffre, non? Non, non. On n'a rien à faire ici. Et là, à droite, c'était quoi déjà comme porte? C'est ça le sous-sol, à votre avis? Non, non, c'est pas le sous-sol, hein. On aurait cru. Là, il y a une statue, on peut pas la prendre, non. Bon, on va retourner au rez-de-chaussée. Peut-être que j'ai loupé des... Ah, j'ai peut-être compris. Regardez. En gros, là, on a un cercle rouge. Enfin, un cercle rouge. Un truc rouge ici, là.
On va essayer de le révéler en rouge. Et si ça marche pas, on va essayer de le révéler en bleu. Je crois que c'est ça. Parce que ici, ça met... Le bleu est supérieur au rouge. Donc pour révéler ce qui est rouge, il faut le révéler en bleu. hop, liste des sorts. Révélation invisible. Assigné en couleur bleue. En bas. Voilà, on verra. Oh, j'ai raison. Oh, je suis intelligent. Pour une fois, je découvre un truc. Ok. Peut-être que vous l'avez découvert, genre... cette porte est fermée, d'accord. Donc on va sortir la clé du sous-sol. Ok, nickel, on n'est pas bloqué. On va faire très très attention. Putain, merde. Elle est pas enchantée, mon arme. Je vais prendre cher. Aïe, 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 aïe. Deux ans. On va aller. Un, deux secondes. On va remonter. On va reprendre un peu toute notre vie et tout. En 2-3 secondes. Voilà. Hop, encore une fois. Et on peut aussi reprendre le bleu alors. Si je dis pas de bêtises. Liste des sorts. Par exemple, rétablissement. Assigné. En bleu. On va le mettre sur Y. Voilà. Ça signifie que genre. On n'a pas l'énergie magique suffisante pour jeter ce sort. Ok. Mais est-ce que je peux enchanter mon objet? En bleu par exemple. C'est à droite, c'est là-bas. Hop. Sur le sabre. Ok, ça je peux. Ok, parfait. Hop, de retour. Bon là maintenant on les défonce, hein, c'est clair et net. Toi, regarde, hop, tu disparais. Voilà. Oh, l'enculé. Ok, attends, on va aller taper. Aïe, aïe, il y a une rune juste derrière. Là. Il y a de l'eau. Je sais pas ce que ça fait le bleu en fait. On va l'exécuter. Ah, on va examiner. On va aller voir tout de suite ce que c'est. Ok, merde. C'était pas une note, si? Ah, attendez, il est où l'autre? Ah, mais c'est... Putain. Ah, merde! Ah, je me suis fait avoir. Voilà, nickel. Ok, on va aller tout de suite... voir le journal médical examiné. Merde. Ah si, c'est ça, non? Bras de pompe. Bref, ok, on aurait dit un zarbi. Ah, c'est quoi? Champ de force. D'accord. Ok. Là, on a quoi par là-bas? Munitions, pistolet. Ok, pourquoi pas. Puis là, qu'est-ce qu'on a? Absolument rien. Mais on a eu un champ de force. Et d'accord, ok. Mais j'aimerais bien le lire maintenant. J'aimerais bien le lire. Rune. Protection. Je sais pas comment c'était sort, champ de force. Ok, requiert les runes Bangorok et Red Gormor. Ok, on va aller checker les runes. Bangorok, c'est ça. Sauf qu'on n'a pas encore la rune, d'accord, ok. Et l'autre, c'était quoi déjà? Antobrok, non? Non, c'était ça, Red Gormor. Ok, il nous faut trouver une rune. Une seconde. On va checker. Ah, mais ça me fait chier. J'ai ramassé un espèce de... Ça, mais je peux pas... je peux pas l'examiner. Et on va essayer d'ouvrir la porte à l'étage avec le bras de pompe.
Peut-être que elle s'ouvrira, je sais pas. Il y a plein de trucs par terre qui brillent, non? Munitions. D'accord, c'est dans ma tête les munitions au sol. Ouais, c'était dans ma tête. Non mais la meuf qui pleure, c'est chiant. J'entends des bruits à gauche. J'entends des... Non, je sais pas. C'est très dérangeant comme ambiance, hein. À regarder et à jouer, c'est encore autre chose. Hop. Pas de screamer. Non, nickel. Et là, non plus. Non. On va sortir le bras de pompe. Bon, on va déjà examiner. Bras d'une pompe à main. Non. Non, non. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord. Ok, on va 2 secondes. Je vais encore checker un truc. Ouais, je prends du temps, mais j'aimerais bien comprendre ce qu'il faut faire en fait. C'est liste des sorts. D'accord. Il nous en reste pas mal à découvrir. Examiner. Ah d'accord, ok. Il y a les runes marquées dessus en fait. Il y a le zarbi en haut à droite et l'espèce de rectangle pas fini en bas à gauche. Ok. Oh, on n'a pas le zarbi encore. On n'a pas le zarbi. D'accord. Ok. Et aussi, on peut combiner des trucs, mais là, on n'a rien à combiner. Comment on faisait pour lire le journal médical avant? Ah merde, je suis con, c'est pas là, c'est ici. Voilà, c'est autopsie, putain, je suis con. Oh là 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 là, une musculature solide signifie un organisme résistant. Ces créatures peuvent supporter plus de choses que les autres. Les membres se reconstituent jusqu'à ce que la créature soit détruite. D'accord, c'est un zombie de chez Kika. Ok, on va essayer de redescendre. Il y a absolument rien. C'était pas comme ça avancé. Là, il y a de l'eau. Examinez. Pompe rouillée se trouve. Ah, c'est là le bras de pompe. Ça nous sert à quoi de remplir de l'eau? Tu peux m'expliquer. Ah, il y a une échelle, d'accord, ok. Putain. Ah, il fallait voir, hein. Ok. Donc là, on va vraiment descendre. Dans le sous-sol, on va vite fait sauvegarder. Hop, 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 hop. Sauver et continuer. Voilà, allez hop, on va descendre. Pourquoi il fuit ce bâtard? Ok. On va enchanter le sabre. Ah, j'ai récupéré ma barre bleue. C'est pratique. C'est tout? Ah non, merde, ok, il y a une porte là. Ouais, d'accord, ok, c'était fermé de l'autre côté. D'accord, ah bah voilà. Bah, voilà le zarbi, on l'a. Nickel. Ça nous servait à quoi déjà? C'était quoi comme sort? Vous venez de créer un nouveau sort, Chaturga, Bangorok et Red Door North. Créer un champ de force, ok. On va champ de force assigné en rouge, pourquoi pas sur Y. Ok. Ok, on va descendre. Ah! C'est peut-être là où j'étais bloqué en fait. Mais j'ai. En fait, le souci, c'est que j'ai l'impression d'être bloqué avec des réceptacles au sol, exactement comme celui-ci, mais en plus que je peux pas passer. Genre ça. Et mais sauf que c'était dans l'espèce d'église. Donc je sais pas si on va retourner dans l'église.
Mais c'est un truc genre une horreur quoi. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Ok. Ok, il est choqué. Oh putain, il y a une araignée. Une araignée un peu... Ok. C'est ça les champs de force que je vous parlais depuis le début du jeu. Des espèces de trucs en fait on peut pas passer. Attends. Attends, peut-être que je vous dis encore des conneries. Genre vous voyez là le réceptacle, je peux pas passer. Et à un moment, dans le jeu, j'étais bloqué par des réceptacles tout autour de moi. Ok, on va se faire défoncer là, clairement. Je connais pas du tout ce monstre, je m'en rappelle vraiment plus. Gauche, droite, où est-ce qu'il faut aller là? Non mais en fait là j'ai essayé de fuir en fait. Je vais essayer de me soigner. On va se soigner un peu plus rapidement quand même. Et on va tester le champ de force. Qu'est-ce que ça fait le champ de force? Wouah, ça s'enlève grave. Ok, on va tester le champ de force. Putain, j'ai plus d'énergie, sa mère. Oh! D'accord, elle a un champ de force, ok. Parce que là, j'ai vraiment plus aucune énergie. Essayer de tourner autour. J'attaque ou pas, là, à votre avis? Non, je me fais niquer. Hein. Peut-être au pistolet. Peut-être que je sors mon pistolet. Pistolet équipé. On va recharger. Ah merde, je vais me faire niquer. Ah putain, je vais mourir. Bon ça va, j'ai sauvegardé juste avant, donc c'est admirable on va dire. J'ai plus de magie. Comment reprendre la magie? Non, je peux pas le passer hein. Cette horreur de merde là. Je peux pas ouvrir cette porte. Non. Je vais essayer de courir, on va essayer de courir. Pour esquiver le truc. Ok. Il y a quoi là-bas? Absolument rien. Absolument rien. Ok. J'ai plus d'énergie pour faire. Ah si bon, attends, là je vais faire le champ de force. Oh c'est stylé. Une sorte de protection, c'est ça? Ouais. D'accord. Hop, je l'achève. Je recharge. Mine de rien, là je suis en train de le toucher. Hein. Je crois. Hein. Ouais, je vais mourir, putain. Il est mort? Ah non. Si, je crois qu'il est mort. Hein. Attends, on va reprendre de la vie. C'est en bas. C'est en haut. Voilà. Reprendre de la vie. Voilà. Mon bonhomme. On va recharger. Je sais pas combien de temps ça se dure le champ de force. Tant qu'on l'a, on l'utilise. On a pas mal de balles. On a ramassé pas mal. Il est mort. On va l'achever. Hop.
Oh, il est mort. Ah non, il s'est TP. Il s'est TP, on va faire un champ de force juste là. Hein. J'ai plus... Merde. J'ai plus de magie bleue, on va attendre que ça se recharge. Merde, je recharge. Voilà, champ de force. Vite, 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 vite. Ah l'enculé. Il est rentré dans mon champ de force. Ah non, c'est bon. Mais non. D'où il me bouffe alors qu'il est dans mon champ de force. Ok. Petite ballonnette pour le défoncer. Ah, il est bloqué dedans, quoi, le pauvre. Chargé. En fait, je voulais l'exécuter à cheveux, là. Merde, ça utilise aussi une balle. Putain, mais pas lui. Pas tourner la caméra, hein. C'est extrêmement chiant. Attendez que je recharge. Voilà. Ok, je n'ai plus aucune balle. On va reprendre le sabre. On va aller sort rapide. Enchanter un objet en rouge, c'est ici. Voilà. On va le défoncer au sabre. C'est la meilleure solution. Attends, lui, on va l'exécuter. Voilà. Toi. Ah, là, j'ai l'impression de faire des dégâts. Attends, attends, il faut que j'esquive ça. Lui, je le tue rapidement. Voilà. Ok, allez, il reste plus que... A mon avis, une dernière vie. De toute façon, je lâche mon truc qui me protège. En un coup ? Ça fait grave des dégâts, hein, le sabre. Allez, 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 attention. Pas envie qu'il repop sur moi. Voilà, il est là. Allez, hop. Voilà. J'écarte un peu pour voir s'il explose ou quoi que ce soit. Non, c'est bon, allez. Bravo, bravo, bravo. J'ai combattu vraiment mon premier boss, quoi. Au début, j'ai cru qu'il était immortel. Attends, je vais vous laisser avec la cinématique. Une de moins. Ok. On va demander de l'aide. Trois mois plus tard, on va sauvegarder une fois la cinématique arrêtée. Ah mais c'est moi! Oh, c'est là. D'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Le sanatorium Jefferson et Combs. Chapitre terminé.
Un sanatorium, ça me rappelle des souvenirs. Ok, donc on va aller tout de suite sauvegarder. Maintenant, on va pouvoir révéler l'invisible. Hop. À suivre. Vous avez remporté une victoire, mais la guerre contre les ténèbres est loin d'être gagnée. Hein? Ah, j'ai cru que j'avais terminé le jeu. Truc trop chelou. Bon, allez, on va sauvegarder. Hop. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!